Bonjour, voici le premier tirage défi de cette année 2021. J'ai déjà procédé à quelques tirages puisque j'ajoute cette introduction au montage et les énergies restent dynamiques en cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Tant mieux. Après l'immobilisation imposée par 2020, il faut que les choses évoluent, ça nous fera tous le plus grand bien. Comme vous le savez, je vous présente ici les cartes d'oracle qui encadrent de leurs conseils ce tirage, puis vous pouvez accéder à l'extension sur Vimeo. Vous êtes de plus en plus nombreux à être conquis par cette formule après avoir regardé une extension et je vous en remercie. Cela récompense mon travail et j'en suis très heureuse parce que ça met une valeur sur ce que je fournis comme travail. Ça vous permet vraiment de valider ce que vous ressentez par rapport à mon travail. Je conserve pour cette année aussi le système d'une extension gratuite tous les mois. Ce mois-ci, ce sera les Verseaux, puisqu'ils vont fêter leur anniversaire à partir de la fin du mois. Donc c'est pour leur permettre d'aborder, on va dire, cette nouvelle année astrologique en ayant bien conscience du défi immédiat qui se présente à eux. Merci donc à vous qui récompensez mon travail en regardant cette extension, qui contribue à financer la chaîne. Ça accroît ma motivation et me permet d'affiner certains aspects de mes projets. Vous en avez découvert un nouveau cette semaine. Les circonstances actuelles restent inédites dans l'histoire de l'humanité. Elles atteignent ce qu'il y a de plus fondamental chez l'être humain, le libre arbitre. Nous ne sommes plus libres de décider de ce qu'il y a de meilleur pour nous. Elles nous placent face à de nouveaux défis, tant personnels que professionnels. Et j'espère que mes tirages vous fournissent matière à réflexion. Après tout, ce sont des outils. Alors à vous de voir comment vous choisissez de les utiliser. Prenez grand soin de vous. C'est-à-dire, soyez à l'écoute de vos besoins, de vos envies, et au même titre que de vos doutes, et enfin de votre intuition. Cherchez toujours la lumière dans toute situation, car c'est là qu'il y a une solution. Ce ne sera pas forcément celle que vous préféreriez, ni la plus facile à mettre en œuvre. Mais prendre soin de soi commence par trouver des solutions durables et constructives qui permettent de cultiver l'harmonie et le bonheur au quotidien. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour l'année 2021, de l'harmonie et du bonheur. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de janvier. Ami Cancer. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Wide Open. Vous avez un tirage, alors tous les tirages sont très dynamiques ici dans cette session de tirage. Mais vous avez des as qui sont sortis pour dire que réellement, il y a des opportunités d'agir dans la bonne direction. Votre défi ici, c'est de profiter des ouvertures qui s'offrent à vous pour action nécessaire au progrès, mais pour resplendir. C'est-à-dire de saisir les opportunités d'être authentique, d'être créatif, de briller de toute la richesse, de tout ce que vous possédez intérieurement comme talent, comme qualité, comme compétence. Vous avez ici deux cartes qui se relient profondément. Il y a d'ailleurs une similarité entre les femmes représentées, même s'il y en a une de dos et l'autre de face. Parce que réellement, cette situation dans laquelle vous êtes vous offre toute possibilité, toutes opportunités dont vous avez besoin pour resplendir de ce que vous êtes. Il y a vraiment un feu vert ici.
Ce tirage est en forme de feu vert. Il y a certaines choses qui sortent en dessous qui disent « Vous êtes en position d'agir. Vous êtes en position de passer à l'étape suivante en étant réellement maître de l'évolution, de la progression. One Ring Circus en carte d'évolution, vous avez tout ce qui est nécessaire, les circonstances, les compétences, les ressources pour faire de cette situation la situation pas idéale. Si, c'est une situation idéale. C'est une situation idéale parce que en vous concentrant sur ce qui vous ressemble, sur ce que vous désirez, vous faites progresser les choses. C'est pas une carte de résultat. C'est une carte qui dit que votre progression est indéniable et que elle n'est pas prête de s'arrêter là. One Ring Circus, c'est pour cela que le groupe qui est représenté ici, l'éléphant et sa cavalière, parce que, donc, je vous l'ai dit, c'est une femme, flotte au-dessus de l'eau, parce que réellement, la progression ici qui est représentée est exponentielle. C'est pour vous dire que vous allez dans toutes les directions, que vraiment... Oui, exponentielle, c'est le terme. Je vais rester sur ce terme-là. C'est-à-dire que toutes les possibilités vous sont ouvertes, et en vous concentrant sur ce qui vous ressemble, ce qui est authentiquement, là, toutes ces petits cœurs et puis ensuite ces gouttes de sang, il s'agit de votre authenticité, il s'agit de ce que vous avez d'imprimé en vous, ce qui est la force intérieure qui vous anime, le feu intérieur qui vous anime. C'est comme ça qu'il se manifeste. Et c'est ce qui permet cette croissance exponentielle. La carte de conseil vient confirmer tout cela. La carte Rescue se rapproche de Wide Open. Ici, on a aussi le même personnage. Parce qu'on ne peut pas faire une traduction littérale sur le sens réel de cette carte. Puisque c'est une carte qui dit que vous êtes en sécurité. C'est une carte qui vous explique que même si vous avez l'impression voilà, que c'est le vide qui s'ouvre sous vos pieds, en fait, vous êtes parfaitement là où vous devez aller. C'est pour ça qu'il y a un tunnel ici. C'est parce que vous émergez d'une situation et arrivez sur une autre. C'est pour symboliser cela que votre chemin, en l'occurrence le tunnel, vous a mené jusque-là. Et c'est une carte qui vous dit... Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Les opportunités arrivent. C'est la montgolfière. Les opportunités arrivent. Parce que, eh bien, la situation actuelle est déjà une émanation de vous-même. C'est vous qui êtes arrivé ici, c'est vous qui avez suivi ce tunnel, c'est vous qui avez grimpé cette montagne. Ce sont tout ce que vous avez pu penser, dire ou faire ces derniers mois qui vous ont mené à cet endroit-là. Vous y êtes parfaitement à votre place. Donc, ayez confiance, passez à l'action et les choses vont progresser d'une manière qui vous plaira. Parce que ces quatre cartes, ces quatre personnages féminins en l'occurrence... sont une seule et même personne, c'est le cancer qui est parfaitement à sa place, parfaitement dans son temps, et qui sait où il veut aller, qui il veut le devenir, ce qu'il veut réaliser, et donc par enquête de lui-même. Bon, je vais arrêter là pour cette première partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me suivre pour l'extension sur Vimeo. Je vais développer certains aspects du tirage. Qui sont assez intéressants, parce que les circonstances peuvent être mises à votre service. Et ça c'est, dans les circonstances actuelles, c'est inestimable comme cadeau de l'univers. C'est en soi déjà un champ de possibilités.
Bon, allez, j'arrête pour cette partie du tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.